profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». « Je suis dentiste pour monstres », partie 7 sur 10. C'est moi, docteur Damien Charpetis, votre dentiste monstre de quartier antisocial, de retour. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai été aussi troublé que vous tous par le changement soudain de la bête du Gévaudan à la fin de notre rendez-vous. J'aimerais pouvoir donner des réponses satisfaisantes, mais cela signifierait qu'il y a des réponses que je juge satisfaisantes. Je pouvais comprendre ces réticences. Une longue histoire souillée avec l'humanité, une famille décédée, et l'idée qu'une personne sans lien biologique avec un monstre puisse élever un enfant qu'il estimait lui revenir de droit. Néanmoins, cela n'expliquait pas l'agressivité dont il faisait preuve à mon égard, surtout pas après nos interactions antérieures polies et cordiales. J'étais déconcerté. Si je n'avais pas été aussi abasourdi, j'aurais essayé de lui parler à ce moment-là, de le calmer. Mais si vous aviez vu son regard, vous vous seriez figé comme moi. La bête aurait pu me couper en deux sans me laisser le temps d'un dernier souffle. Cette agression, ce regard, la vitesse à laquelle elle a basculé, peu importe la cause. Cela m'a montré qu'elle n'était pas apte à s'occuper de perles. Mon utilisation du terme « monstre », qu'elle prétendait être le problème, n'a jamais eu pour but d'offenser. C'était pour rire. Je ne pense pas que ce soit le problème. C'était moi le problème. Tolérable jusqu'à ce que je l'affecte. Elle ne pouvait pas passer outre une chose. Le vrai problème, c'est que je suis humain. La bête nous haïssait. Cela s'était manifesté bien avant qu'elle ne s'aperçoive de la photo de Perle, même si c'était de façon un peu plus subtile. Je soupçonnais cependant que cette haine se situait quelque part dans la jalousie, et cela me donnait un soupçon d'espoir qu'il restait un peu de son moi humain, Edric, derrière lui. Après qu'elle soit partie et que j'ai eu le temps de bafouiller une explication à Chloé, nous avons fermé la porte et nous sommes montés directement dans la voiture. Elle a accéléré pendant tout le trajet jusqu'à mon appartement. Rien de nouveau, mais d'une manière plus urgente que d'habitude. Dans la voiture, j'étais hystérique, ne sachant que faire. La bête savait où je travaillais, mais pour autant que je sache, elle ne connaissait pas l'adresse de mon domicile. Pourtant, je me suis mis à trembler en tâtonnant la porte, m'efforçant de repérer le trou de la serrure, désespéré à l'idée de voir mon bébé. C'était ridicule et inutile. Perle allait bien. Bien sûr qu'elle allait bien. Elle était à la maison, riant devant une émission de télévision pour bébé que Vivienne avait mise en place pour la divertir pendant qu'elle cuisinait. L'amour pur que j'ai ressenti en voyant ma fille aux dents pointues a fait fondre une grande partie de l'anxiété. Elle avait peut-être les dents de la bête, mais elle avait un bel esprit. La bête avait dit qu'elle la retrouverait, mais elle n'avait pas dit quand. Un monstre de sa taille dans la ville n'aurait pas le luxe d'attendre et de suivre. Plus le temps passait, et moins je craignais de voir le monstre se présenter à ma porte pour réclamer mon enfant. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le visage de Vivienne s'est décomposé lorsqu'elle s'est retournée et a remarqué l'expression d'horreur dans mes yeux. Je me suis assis et je lui ai raconté hystériquement la même histoire que j'avais eu du mal à raconter à Chloé. « Où est-elle allée, la bête ?» demanda Vivienne. Perle était maintenant assise sur ses genoux et elle la faisait rebondir doucement. Elle me réchauffait l'âme. Je bégayais. En réalité, je ne savais pas où elle était allée. J'avais des suppositions, mais aucune certitude. Chloé s'était assurée que nous n'avions pas été suivis sur le chemin du retour, et je soupçonnais la bête de devoir se renseigner sur moi pour essayer de me retrouver. Si elle m'avait tué, elle ne pourrait pas atteindre Perle, et je pense qu'elle savait que je n'allais pas la conduire à elle après son accès de colère. C'est pourquoi elle s'est enfuie. Je n'ai pas pensé une seconde qu'elle allait réapparaître une heure plus tard et me mettre en pièces. Le monstre en elle ne pouvait pas contenir sa rage, mais l'humain ne voulait pas la laisser exploser non plus. Comme je l'ai dit,
La bête du Gévaudan n'avait pas non plus la possibilité de se promener en attendant. Elle se ferait trop remarquer dans un quartier si ordinaire de la ville, et me rendre visite avait été un risque suffisant. Si elle me harcelait, elle serait lynchée. Tant qu'elle ne savait pas où je rentrais chez moi, nous étions en sécurité. Perle était en sécurité. Elle est partie, je ne sais pas. Je sais qu'elle a pris le train jusqu'ici. Des chemins de fer connectés, peut-être la gare ? J'ai encore bafouillé, en essayant de me remettre les idées en place. Et tu n'as pas été suivi ? Vivienne continua, serrant Perle pour qu'elle ne vacille pas et ne tombe pas. Elle était si douée avec elle. Je m'en suis assurée. Chloé réplique sérieusement. Je ne savais pas comment elle pouvait en être si sûre, mais je ne doutais pas d'elle. C'est bien. Est-ce que la bête a vu la voiture ? Vivienne souleva un point auquel je n'avais pas pensé. La voiture de Chloé était inoffensive, mais distinctive, pleine de breloques et d'objets suspendus et toujours garée à l'extérieur du cabinet. Si la bête avait fait le lien, elle était maintenant une balise, et le siège de Perle à l'arrière, un trésor. « Il l'a probablement fait », je répondis, notant la panique de Chloé qui se rendait compte de la même chose. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle. Le « on » était poignant. Je me sentais bien de savoir que Vivienne était de mon côté et qu'elle protégeait ma fille. Peu de babysitters accepteraient de protéger un bébé d'une bête sans renégocier sérieusement leur salaire. J'ai pris note mentalement de l'augmenter quand même. Nous allons la cacher et je vais parler à la bête. Elle ne m'a pas laissé une chance et j'aurai mon tour de parole. Mais Perle ne doit pas s'approcher de la situation. J'ai lentement forcé le trait. J'ai rencontré des monstres pires que la bête. C'est tout ce que j'avais prévu. J'ai pensé à l'histoire de la bête, aux révélations sur les Harakungu et à l'hypocrisie des monstres qui rejettent l'humanité. La mort et la haine ne profitaient à aucune des parties. Les mots que j'avais accidentellement échangés avec l'ancien monstre dans son palais souterrain lors de la convention des services paranormaux me revinrent à l'esprit. Ce plan était douloureusement humain. Tu peux rester avec moi si tu veux. Mon appartement est petit, mais tu y seras en sécurité. Si la bête cherche la voiture de Chloé, elle sera toujours là, mais pas toi. Ma voiture est garée deux rues plus loin, et si elle a envisagé l'existence d'une nounou, elle retournera d'abord à mon agence pour essayer de soutirer des informations à Armand. Elle a raison, Damien. Tu devrais appeler Armand. Chloé avait l'air vraiment effrayée, ce qui était rare chez elle. Le fait de la voir ainsi et de voir Perle me sourire a changé quelque chose dans ma tête. Elles ont fait disparaître toute la peur. Non, je peux arranger ça, merci Vivienne. Nous resterons avec toi ce soir par précaution, mais demain je vais à La Roche et je vais régler ça. Chloé s'occupera des patients et Perle restera avec toi. La bête était en colère et émotive. Je sais qu'il y a une personne humaine en elle et je vais m'en sortir. Je n'élèverai pas Perle en passant mon temps à fuir. Elles me regardèrent toutes les deux d'un air mal à l'aise, mais je m'en moquais. J'étais déterminé à ce qu'Edric Miller soit joignable, raisonnable et la personne que j'avais connue jusqu'à ces derniers moments de tension. Tu n'iras pas seul, Damien. Ne sois pas ridicule. Chloé reprend la parole. Il le faut. Il faut qu'il sache que je n'ai pas peur. C'était ça. C'était risqué. Plein de problèmes potentiels et sans aucune possibilité d'échec. C'était également non négociable et elles le savaient toutes les deux. Nous avons donc fait quelques bagages et nous sommes montés dans la voiture de Vivienne. En passant devant la voiture de Madame Poivre-Cul, j'étais soulagé de partir. Je doutais que la bête soit aussi effrontée, mais je n'avais pas besoin que mes voisins soient soumis à un monde qu'ils ne connaissaient pas. « À quelle distance habites-tu » demandai-je, réalisant que je ne savais même pas où Vivienne rentrait chez elle. J'ai ressenti une pointe de tristesse face à mon manque d'intérêt et j'ai décidé de faire plus attention aux autres. « Oh, je suis juste en bas de la rue, juste en face de l'entrée du parc, la grande tour. » Je blottis Perle contre ma poitrine. Nous avions dû laisser son siège dans la voiture de Chloé et je l'avais enveloppée dans ma veste pour essayer de la garder en sécurité et cachée. Je n'avais pas beaucoup de connaissances pratiques sur la bête et ses capacités. Des capacités de pistage ? Ou n'était-elle qu'un pauvre guérisseur incompris et en colère ? J'avais mis dans mon sac mon journal qui faisait partie de ma base de données.
Malgré les enjeux, j'espérais encore apprendre quelque chose. J'avais plus d'un patient qui vivait dans le même quartier que Vivienne, et je ne le connaissais que de nom. En pensant à ces patients, je me demandais si Perle serait même un spectacle dans cet immeuble. Je me doutais depuis longtemps que nous vivions dans un quartier chaud, et le quartier de Vivienne m'avait rapporté beaucoup d'argent. J'ai lutté pour retenir une question brûlante. Vivienne ? Oui, Damien ? Est-ce que tu es un monstre ? Il y a eu un silence. Chloé a grimacé. Elle a toujours détesté cette question. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles elle était une réceptionniste si difficile. Elle trouvait que je la posais trop facilement. De la banquette arrière, je ne pouvais pas voir le visage de Vivienne, concentrée sur la route. « Eh bien, comment as-tu su que tu postulais pour ce poste ? Et ce bloc, Chloé, combien de fois as-tu décrit cette adresse sur les formulaires des patients ? C'est une adresse valable ?»« Je ne suis pas un monstre. » Vivienne répondit sincèrement, son sourire toujours audible, mais une légère tristesse dans la voix. Nullement gêné par la réponse, je soupirai de soulagement en constatant que je ne l'avais pas offensé outre mesure. Il fallait que j'arrête de faire ça. J'ai grandi à La Roche. Ma mère est Carla Parks. Elle a été recrutée dans une université normale comme toi. Carla est ta mère ? S'exclame Chloé. Park n'est pas mon nom de famille. Les gens ne font pas souvent le lien. Ce n'est pas quelque chose que je dis sur tous les toits. Vivienne répond solennelle. Je ne réagis pas à ces révélations. J'étais sous le choc. Carla Parks dirigeait l'un des services les plus controversés de l'industrie des monstres. Elle dirigeait la soi-disant collection d'organes éthiques, une organisation baignant dans le scandale et la conspiration. À l'origine, cette organisation a été créée pour fournir de la nourriture durable et éthique aux monstres qui ne se nourrissent que d'organes. Ce n'est pas un grand marché de monstres, mais la consommation de ce marché est positivement énorme. Je ne l'avais pas encore rencontré à ce stade de mon récit, mais avec du recul, je pense que Mosaf Rastix, qui m'a incité à partager mon histoire, était un client régulier de la mère de Vivienne. La COE, comme l'organisation de Carla était communément appelée, prétendait contacter les personnes en phase terminale et proches de leur dernier souffle, en leur demandant de donner volontairement leurs organes pour sauver la vie d'une nouvelle espèce. C'était vague et pas tout à fait vrai, mais la COE l'a commercialisée avec brio, en mettant l'accent sur la vie longue et épanouissante que mène l'être humain. J'ai toujours eu du mal à considérer les humains comme des poulets en liberté. En réalité, il y a eu des histoires de marchés noirs et de prélèvements d'organes. Dans le pire des cas, il s'agissait de kidnapper des humains et de s'en servir comme proie vivante pour des monstres. Dans le meilleur des cas, il s'agissait de manipuler des patients atteints de démence sur leur lit de mort. Quoi qu'il en soit, les collecteurs d'organes éthiques me donnaient la chair de poule. Vivienne ressentait la même chose. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous nous arrêtions sur la route familière, mon bureau se trouvant à quelques mètres de l'imposant immeuble d'habitation que nous côtoyons. « Nous voilà chez moi. » Vivienne a gazouillé, m'aidant à sortir de la voiture avec Perle. « C'est juste pour une nuit, je te le promets. »« Eh bien, tu es le bienvenu aussi longtemps que tu en auras besoin. » J'étais reconnaissant, vraiment. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de la pensée de sa mère. La théorie mentalement envahissante que peut-être, juste peut-être, elle travaillait pour elle. Que nous pourrions marcher vers notre mort. Je ne voulais pas me sentir comme ça. Paranoïaque et désespéré. J'avais peur de quelqu'un qui n'était rien d'autre qu'une amie depuis des mois. J'avais toujours été fier de pouvoir juger le caractère des gens, mais après le rendez-vous avec les bêtes, cette confiance avait volé en éclats. Je ne l'admettrai qu'une fois, ici, avec vous. Mais avant qu'il ne pète les plombs, j'avais commencé à apprécier Edric Miller, la bête du Gévaudan. J'ai décidé de mettre de côté ma paranoïa et j'ai suivi Vivienne dans le bâtiment imposant, remarquant un petit jardin bien entretenu sur le côté du béton et un petit banc qui me faisait face. Un jeune homme y était assis, seul dans l'obscurité, observant le jardin. Il devait avoir une vingtaine d'années. Mes pensées se tournèrent vers la maison de Vivienne,
et ma fascination pour ces habitants qui étaient déjà entrés dans ma base de données. J'étais certain qu'il y avait beaucoup d'autres personnes dans le bâtiment qui ne figuraient pas dans mes livres. Je me maudissais silencieusement de ne pas avoir apporté quelques cartes de visite. Serrant Perle, je me dirigeais vers l'ascenseur qui se trouvait juste en face de la porte principale. « Non, Damien, on prend les escaliers. Je ne veux pas trop monter dans cet ascenseur. Il tombe en panne tout le temps. Allez, on y va. Je ne suis qu'au 5e étage. » Vivienne avait l'air sincère, sérieuse même, et je n'étais pas prêt à discuter avec quelqu'un qui me témoignait une telle gentillesse. Je soupirai et réajustai mon bébé sur ma hanche, en m'assurant que la couverture couvrait son visage, et par conséquent, ses dents. Nous avons commencé à monter les escaliers. Après ce qui m'a semblé être quelques marches de trop, un symptôme de ma mauvaise condition physique, j'en suis sûr, et après avoir croisé plus de chats chauves que je n'en avais jamais vus au même endroit, en jurant que l'un d'entre eux était en feu, nous avons atteint un palier sur lequel était peint un grand chiffre 5. Ne faites pas attention à lui. Il ne nous a jamais dérangés. Je crois même qu'un locataire du bâtiment s'amuse à lui donner un prénom différent chaque jour, en espérant qu'il lui réponde. Vivienne a pris la parole, en réponse à Chloé qui s'approchait d'un homme immobile dans la cage d'escalier, si étonnamment humain et moyen que j'étais sûr qu'il ne pouvait pas être humain du tout. « C'est quoi le problème avec cet endroit ?» demandai-je en essayant, sans y parvenir, de saisir les traits du visage de l'homme. Je me souviens m'être approché de lui à quelques centimètres, et je n'aurais toujours pas pu dire à quoi il ressemblait. L'homme n'a pas bronché, pas même un clignement d'œil. « Qui est-ce ?»« Je ne sais pas. Est-ce que ça a de l'importance ? Nous ne faisons que vivre. » Vivienne a répondu nonchalamment. « J'étais un scientifique. Je n'ai jamais été satisfait d'une réponse contenant le mot « juste ». Monsieur Banal, stoïque dans la cage d'escalier, était un type de monstre que je n'avais jamais vu auparavant, un catalyseur de ma curiosité naturelle. J'entrouvris les lèvres pour parler à nouveau, mais Vivienne avait déjà ouvert la porte principale de l'immeuble et faisait passer Chloé. J'ai envisagé de jeter un dernier coup d'œil à Monsieur Banal, mais j'ai décidé que cela ne servirait à rien. Une note qui se retrouvera plus tard dans mon journal. L'appartement de Vivienne était petit mais propre et bien rangé. Nous avons installé le lit de voyage de Perle que nous avions mis dans le coffre de la voiture, et notre hôte a installé les canapés pour Chloé et moi. Une fois installé, j'ai bu une tasse de thé et j'ai câliné ma fille endormie sous le regard des deux autres. Tout me paraissait surréaliste. Quelques mois auparavant, je ne me serais jamais imaginé avec un bébé, et encore moins en train de me cacher avec lui d'une bête vicieuse alors qu'un monstre inconnu se tenait à quelques mètres à l'extérieur. Dans la maison de la fille, de la femme la plus controversée de l'industrie monstre. « Depuis combien de temps l'homme qui se trouve à l'extérieur est-il là ?» j'ai demandé, essayant de rompre le silence. « Environ 6 mois maintenant. Il ne bouge pas, il ne fait rien, il reste là. » « Et personne dans ce bâtiment ne trouve ça étrange ?» Vivienne s'est contentée de rire à ma question. C'était un rire chaleureux. Un rire qui disait qu'elle avait probablement entendu cette question posée à propos de choses différentes un millier de fois. Elle semblait si à l'aise avec l'inexplicable que je pourrais jurer qu'elle souriait au mur. « Tout n'a pas besoin d'explication, Damien. Il n'y a pas d'humain ou de monstre ici. Personne n'est aussi conscient de lui-même. J'aime bien ça. As-tu déjà envisagé de partager ton monde avec les monstres ? De ne pas les séparer ? De ne pas faire d'expérience ? De ne pas prendre de notes, de simplement exister ? C'est paisible. » J'ai fait une pause, réfléchissant à ses paroles. J'ai pensé à l'homme qui se trouvait non loin de la porte de l'appartement. « Au fait, Damien, je t'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a pas mal de règles à respecter dans mon bâtiment. Surtout une à propos de l'utilisation de l'ascenseur en pleine nuit. » Tu sais, le mec dans le couloir, il attend peut-être que la femme de sa vie se ramène devant lui. » Chloé est intervenue avant que je ne puisse répondre. Vivienne, exaspérée par sa nonchalance, soupire. « Tu regardes trop de séries télé, Chloé. » Quelques minutes plus tard, j'ai grimacé en repensant à Clara Parks, une super vilaine et une ancienne collègue d'université. « Est-ce que tout ce qu'on dit sur elle, c'est vrai ?»
demandai-je à Vivienne. Vivienne baisse les yeux et se moque solennellement. Comment est-ce que tu définis le mot « tout » Elle répond. Est-ce que ça englobe le trafic d'êtres humains et les événements en direct ? Je n'ai jamais entendu parler d'une retransmission en direct. J'ai répondu, l'esprit en ébullition, me sentant mal à l'aise à l'idée du divertissement malsain que son entreprise a dû produire. C'est parce que la plupart des gens n'en savent pas la moitié. Ils pensent que c'est une conspiration et personne ne s'y intéresse. J'ai essayé d'en parler aux gens, mais personne ne me prend au sérieux. Carla n'a jamais annoncé qu'elle avait eu une fille, alors je passe pour une folle. C'est comme ça depuis que je suis partie. Elle ne me considère même pas comme une menace suffisante pour s'en prendre à moi. Quand es-tu partie ? Je suis partie dès que j'ai pensé pouvoir survivre seule. Je suis seule depuis l'âge de 16 ans. C'était le seul endroit où l'on ne demandait pas de garant. Les voisins étaient bizarres, mais ils sont gentils. Je n'ai pas eu à supporter l'aide de... Je suis désolée, Vivienne. Tu as dû en voir de toutes les couleurs. Chloé l'interrompt en s'asseyant à côté d'elle et en posant une main réconfortante sur son épaule. J'ai toujours pensé que ta mère avait quelque chose d'effrayant, même avant que les collecteurs d'organes ne commencent. Chloé, le tact n'est pas sa spécialité, mais elle déborde de compassion. J'ai essayé de lutter contre ma curiosité insatiable. J'ai essayé de laisser Vivienne et Chloé vivre leur moment d'émotion. Je l'ai fait. La paternité a apporté un niveau de retenue que je n'étais pas sûr d'avoir, mais elle n'a pas pu étouffer cette fascination qui subsistait. Je l'avais toujours eue et je l'aurai toujours, c'était mon orgueil démesuré. Qu'est-ce qu'elle diffuse en direct ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu partes ? Vivienne avait l'air visiblement dégoûtée. Il était évident que j'avais mis le point sur quelque chose de traumatisant. Je me sentais mal, mais je devais savoir. Il le fallait. J'ai tenu la caméra pendant longtemps. Elle fait une véritable performance, animant comme s'il s'agissait d'une sorte d'événement sportif. C'est une chasse à l'homme. Les monstres, ceux qui ne mangent que des gens, ce ne sont pas les créatures douces que ces commerciaux présentent comme telles. Ce sont des prédateurs. Et les clients qui regardent les chasses à l'homme en direct paient beaucoup d'argent pour des proies qu'ils peuvent chasser sans risque ni interférence humaine. C'est ma mère qui s'en charge. Elle possède des terres dans tout le pays où elle organise les événements. Une équipe s'occupe de collecter le type de proie qu'elle recherche. Les faibles surtout, les malades, les handicapés, les mourants. Son éthique n'est pas entièrement un mensonge. Elle est juste tordue. Enfin, c'est ce que je pensais. Une larme coula sur la joue de Vivienne. Chloé déplaça sa main de son épaule à son cou, la serrant contre elle. Perla gazouilla un peu, et je lui ai fait signe d'attendre une minute pendant que je me levais et la faisais rebondir doucement pendant un moment, avant de la reposer et de m'asseoir. Je suis désolé, continue. Quelques mois avant mon départ, les choses ont commencé à s'envenimer. Certains clients faisaient des demandes de plus en plus difficiles et dérangeantes. Carla était plus qu'heureuse de les satisfaire. La nuit où je suis partie, il y a eu un événement majeur. Elle a prétendu qu'il était retransmis dans un club prestigieux de Las Vegas. Le chasseur de la soirée était une sorte de grosse pointure dans le monde des monstres et il avait trié sur le volet ses propres proies. Nous n'étions là que pour lui donner un espace privé pour chasser et pour filmer. L'alarme qui s'était échappée s'est transformée en une autre, qui s'est transformé en un gémissement et en une incapacité à poursuivre son histoire. Je pouvais voir la culpabilité se dessiner sur son visage, le dégoût qu'elle ait participé à ce qui s'était passé. « Tu n'as pas à... » « Non, je le dois. » Elle m'a coupé la parole, a pris une grande inspiration et a continué son histoire. « Il ne mesurait qu'1m80, sa peau était d'un bleu maladif, et ses griffes auraient pu trancher du métal s'il avait essayé. Je ne sais pas qui c'était, mais il était très excité quand il est arrivé. Il s'est tenu à la lisière de l'arbre et j'ai mis mon œil sur la caméra. Je me suis concentrée sur la cage, attendant que les proies, les gens, sortent. Ma mère a dit que les gens de Vegas voudraient voir leurs visages effrayés.
Le collectionneur a attendu le son du premier coup de feu et a ouvert la porte de la cage géante. Deux personnes sont sorties, une adolescente de mon âge et un homme plus âgé, d'une soixantaine d'années. Il leur a fallu quelques secondes pour réaliser qu'ils pouvaient courir, mais ils ont couru. Ils sont partis si vite que j'ai eu du mal à orienter la caméra assez rapidement pour les saisir. Le monstre n'a pas couru après eux. Il a attendu. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi et j'aimerais ne jamais l'avoir fait. Carla m'a frappé par derrière et a pointé la cage sans un mot pour ne pas interrompre le flux. J'ai fait un panoramique pour voir la troisième victime, la petite fille. Chloé a sursauté. J'ai senti mon cœur sombrer. Depuis des années, des rumeurs circulaient dans l'industrie sur le comportement douteux de Carla, mais personne ne les prenait au sérieux. Personne ne les écoutait et personne ne soupçonnait le niveau de méchanceté qu'elle atteignait. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Vivienne sanglote, incapable de contenir son émotion plus longtemps. La peur dans ses yeux était la pire que j'ai jamais vue. Elle n'était pas mourante. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas cédé ses organes à un gentil visiteur de l'hôpital. J'ai senti tous les mensonges qu'on m'avait racontés me frapper en pleine figure à ce moment-là. C'était une petite fille, putain! Elle était terrifiée et ma mère était prête à la regarder se faire démolir pour de l'argent. Et elle s'attendait à ce que je la filme. Ma gorge s'est remplie de bile. Je n'avais jamais été aussi sensible à la souffrance des enfants. Toute souffrance est une souffrance, n'est-ce pas? Mais imaginez une fille comme Perle, de quelques années son aînée, traquée par Carla Parks, déclencher une haine particulière que je ne savais pas pouvoir ressentir. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » demandai-je. « Je ne veux pas le savoir. » Chloé s'est interposée, sachant que sa protestation ne m'empêcherait pas de demander. C'était si rapide, le monstre l'a regardé et a commencé à sprinter. J'ai lâché la caméra et j'ai couru de toutes mes forces vers la fillette. J'ai réussi à l'atteindre avant le monstre. Je me suis jetée devant elle et j'ai attrapé les griffes du monstre pendant que la fillette courait dans les bois derrière la cage. Si Carla ne l'avait pas arrêtée, je serais morte. Elle a eu juste assez de force pour me débarrasser de cette créature. Il doit y avoir un cœur quelque part dans cette salope. Elle ne pouvait pas regarder sa propre fille mourir. Mais elle était en colère. Elle m'a dit de partir. Elle m'a dit que je pouvais retrouver mon petit ami et un nouvel endroit où rester. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle ne voulait plus me voir dans ces parages. Vivienne s'est levée et a lentement soulevé son t-shirt, révélant d'épaisses et profondes cicatrices violettes dans son dos, ce qui confirme son histoire. Elles avaient mal cicatrisé, avec des bosses et des creux dans la chair. J'ai cherché la petite fille, mais je ne l'ai pas trouvée. Honnêtement, je l'ai probablement épargnée à un monstre pour la livrer aux éléments. J'ai vécu dans la rue pendant un certain temps jusqu'à ce que je trouve un emploi et que je puisse me payer cet endroit. Mais ça valait le coup d'être loin d'elle. Je pensais pouvoir faire tomber sa compagnie, mais je n'avais aucune chance. Elle est à l'épreuve des balles. Chloé et moi avons passé un moment à réconforter Vivienne, mais il était difficile de savoir quoi dire. Nous étions choqués. Je voulais trouver un moyen de l'aider, de faire tomber Carla, mais je devais me concentrer sur un problème à la fois. Tant que je n'aurais pas réglé mes problèmes avec la bête du Gévaudan, les collecteurs d'organes éthiques devaient rester hors de mon champ d'action. Je n'avais pas besoin de me faire d'autres ennemis ou de mettre mon ami et ma babysitter en danger. Après que Vivienne se soit retirée dans son lit et que Chloé ait commencé à ronfler sur le canapé en face de celui qui serait mon lit pour la nuit, je restais éveillé à préparer mon voyage vers le village qu'Edric Miller appelait sa maison. Je n'avais jamais pris de train avec des lignes connectées et je n'étais pas sûr que mon plan misérable fonctionnerait. J'aurais préféré m'épargner l'espoir et admettre que je savais déjà que cela ne marcherait jamais. Un léger bruit provenant de l'extérieur a attiré mon attention, une sorte d'altercation mineure provenant du parc d'en face. En me redressant pour regarder la rue depuis la fenêtre, j'ai senti l'air s'échapper de mon corps. Elle était là, me regardant fixement. La bête du Gévaudan.